Le très controversé Rex Tillerson est officiellement devenu cette nuit le nouveau secrétaire d'État américain. L'ancien patron d'ExxonMobil a prêté serment aux grandes dames de son département, très hostile à l'administration de Donald Trump. Le ministère est secoué par une fronde de diplomates et de fonctionnaires. Le département d'État a en effet entre les mains, depuis mardi, un mémorandum signé par environ un millier de cadres contestataires. Qu'importe pour les principaux intéressés qui se félicitent d'avoir franchi l'obstacle des auditions au Congrès. D'autres membres de l'administration Trump doivent encore être entendus par une commission sénatoriale. L'opposition démocrate a d'ores et déjà annoncé qu'elle ferait tout son possible pour bloquer leur nomination.